Rendons-nous à Gagnoa pour parler de développement des cadres du département de Gagnoa, réunis au sein de l'association Gagnoa Nouveau, ont initié un séminaire de réflexion sur le développement. Plusieurs résolutions ont été arrêtées. Le reportage de Gervais Amani, commenté par Mondésir Nascimento. Deux jours d'analyse et de réflexion sur des mots qui minent le département de Gagnoa. C'est à cet exercice que ces cadres de l'association Gagnoa Nouveau se sont donnés. Un séminaire de réflexion sur le développement qui aura abouti à plusieurs résolutions. Il s'agit entre autres de la construction d'une université omnisport à Gagnoa pour le développement du sport, la mise en place de production de compost grâce au recyclage des ordures, le renforcement des acteurs par la création de centres de formation aux métiers de l'agriculture et la mobilisation d'un milliard de francs CFA nécessaires pour le financement des projets de femmes à Gagnoa. Vous voyez, donc pour dire qu'au niveau de Gagnoa, nous avons un potentiel. Et de ces réflexions doivent donc sortir de bonnes choses que nous allons mettre donc à la disposition des élus. Donc c'est pour aider les élus. Caissier Ambroise, en sa qualité de vice-président de Gagnoa Nouveau, s'est félicité des résolutions du séminaire. Présents à cette rencontre pour apporter leur soutien au cadre de Gagnoa, les chefs traditionnels de cette localité ont salué l'initiative de l'association Gagnoa Nouveau. Ils ont promis sensibiliser les populations afin qu'elles adhèrent à ce mouvement de développement. Nous sommes dans nos villages avec tous nos problèmes, nous ne les voyons pas. C'est des problèmes de développement. Voilà. Si aujourd'hui ils réfléchissent sur comment développer un village ou leur village, nous ne faisons que les encourager. Gagnoa Nouveau est à sa création depuis 2023, un mouvement virtuel, une plateforme d'échange transformée ensuite en une association. Cette structure de développement compte plusieurs membres sur le plan national et international. Un hommage a été rendu à l'ambassadeur Caissier Ambroise, vice-président de l'Organisation mondiale des experts, pour son implication dans le développement de Gagnoa.